atterrissage imminent, l'enfer, plateforme 9. À chaque fois, je leur dis, ne m'envoyez plus de soldats. Et à chaque fois, ils m'en envoient d'autres. Je suis spécialiste des signaux. Oui, bon, pour moi, c'est du pareil au même. Enfin, je m'occupe pas de vous sur Pandora, pigé. Ça, c'est le problème d'Arthur. Mais si vous déconnez, ça devient mon problème. Alors, c'est extrêmement simple. Déconnez pas. C'est compris. Bon, vous allez oublier illico vos rêves de vacances. Si vous jouez au cow-boy comme les autres Marines, je vous donne à peine 2 semaines. Je vous assure que Pandora est la pire planète de la galaxie que vous ayez jamais vue. Mais si vous restez ouvert, sa récompense dépassera alors vos rêves les plus fous. Bienvenue dans votre nouveau foyer, l'Enfer. Officier Midori. Mais oublions les formalités, vous pouvez m'appeler Kendra. Je suis chargée de votre accueil ici. Lequel de vous est Ryder? C'est moi. Bon, tu ne bouges pas. Les autres, montez à bord. On va vous conduire au complexe central. Commandant Falco attend ton arrivée avec impatience. Falco? C'est lui qui t'a fait venir. Il t'expliquera tout ça. Mais d'abord, il faut te remettre en selle. Oh, j'ai dormi pendant 5 ans et ça démarre à fond. Il s'est passé plein de choses pendant ta stase. Et pas vraiment des meilleures. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Allons voir ton avatar. Le docteur Monroe devrait l'avoir préparé. On y va? C'est une blague? J'en rêve tous les jours depuis 5 ans. Fais attention avec le docteur Monroe. Il traite les avatars comme ses cobayes personnels. Une aération des modules est prévue dans le secteur G. Mettez vos effets à l'abri avant votre service. Tiens, notre spécialiste des signaux. Il était temps que vous arriviez. Vous êtes en retard dès le premier jour. Allez dans le caisson de lien. Je vais vous installer dans votre avatar et voir si vous valez les millions dépensés pour vous faire venir ici. Allez, vous n'êtes pas payé à l'heure. Enchanté, moi aussi. Officier scientifique Victor Monroe à votre service. Et c'est pas parce que votre ADN est rarissime que ça vous donne le droit de faire la maline. Bougez-vous! Ça
ça va faire un peu bizarre. Doucement, vous risquez d'être un peu désorienté. Tout va bien, Ryder. Tout est OK. C'est très bizarre. Tout est normal. Vous résistez très bien. C'est un début, Ryder. Tout va bien. Hé, tout va bien, Ryder. C'est normal. Asseyez-vous, on va vous renvoyer. Vous vous débrouillez plutôt bien. Avec mes réglages, vous ferez partie des meilleurs. Vous êtes un beau spécimen, Ryder. Allez, filez! L'officier Midori vous attend. Écoute, tu dois trouver Kensington et l'aider à reconnecter les portes latérales. Elles sont désactivées. Tout le réseau est dans le rouge sur cette ligne. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le commandant Falco t'attend. Il a hâte de te rencontrer. D'habitude, il ne s'occupe pas des avatars. Il les déteste. Les gens ont une dent contre les avatars ? Comme je te l'ai dit, il y a ici des choses qui te dépassent. Tu ne voudrais pas être mal vu. Prends l'ascenseur et va voir Falco. Bonne chance, Ryder. Oui, merci. Ryder, j'ai du mal à croire que tu sois enfin là. Ça doit faire une éternité que j'ai signé tes ordres de service. Je viens au rapport, chef. Oublie les formalités, Ryder. On a une situation prioritaire. Un membre du programme Avatar transmet des renseignements top secrets à la tribu Navi du coin. S'ils apprennent ce que nous préparons, on risque d'avoir une belle révolte indigène sur les bras. Qu'est-ce qu'on prépare, exactement ? Tu le sauras bientôt. Je me suis battu pour te faire venir ici. Tes talents pour le décryptage sont sous-estimés sur cette planète. Si tu joues bien, tu iras loin. Sinon, cette planète te recrachera comme un vulgaire déchet. Je ferai de mon mieux. Pour l'instant, tu dois trouver cette taupe. Prends ton équipement et fais-toi conduire à la base du lagon. Et au pas de course. Bienvenue dans le parc, madame. Le parc ? Oui, le lagon bleu. Nous avons clôturé tout le secteur, une vaste zone sauvage. Pour visiter la planète, c'est de loin l'endroit le plus sûr. Comment peut-on visiter une planète derrière une clôture ? Sérieusement, je vais vous dire, il faut jamais sortir de l'enceinte. Il paraît qu'une plante a bouffé le bras d'un type. Imaginez un peu. Vous êtes sérieux ? Je déconne pas. L'officier Midori vous attend près de l'entrée principale. Thank you.
Ryder, tu arrives à temps. On a des hommes coincés hors des clôtures. Ils signalent des loups vipères qui viennent sur eux. Des loups vipères? Tu vas adorer. Tu sais manier une tourelle? Parfait. Grimpe à la porte principale et balance un tir de couverture. C'est pas un stand de tir, bon sang! Pas mal pour une spécialiste des signaux. Merci. C'est pas fini. On a encore un gars sur le terrain. Prends un buggy et va l'aider. Il s'appelle Dalton et il est mort de peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? À toi de le découvrir. Pas mieux tomber. Thank you.
pourrait m'être utile. Dieu merci, te voilà. L'endroit grouille de ces molosses. Il a fallu que je me planque là-dedans pour leur échapper. Faut que tu m'aides. Je peux pas partir avant d'avoir triangulé le signal et ça grouille de loups vipères. C'est une mission prioritaire pour le commandant Falco. C'est pour surveiller les activités des navires, je crois. Mais ça marche pas. Calme-toi. T'as besoin de quoi? J'ai besoin d'un signal et j'ai jamais fait ce genre de truc. Bon, tu peux rentrer à la base. Je vais verrouiller le signal pour toi. C'est vrai? Ah, tu me sauves la vie. Il faut que t'ailles à quelques kilomètres au nord-est. C'est là-bas. Je vais prendre ça. Merci. Kendra est partie pour la base avancée. Prends un dégâteur et remonte la rivière pour la rejoindre. Ce métier a des avantages.
cherches la bagarre? Kensington vient d'appeler. Tu l'as impressionné tout à l'heure. Et rien n'impressionne ce type. Tu te bats vraiment bien. J'ai besoin que tu ailles voir Dalton. On a encore des problèmes le long de la clôture. Dalton? C'était pas le type coincé sur le terrain? Si, va à la clôture pour voir ce qui se passe. Hey Ryder, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te vois, ça va mal. Il y a des brèches dans la clôture. Et s'il y a des brèches, ça veut dire... Des loups vipères. T'as tout compris. Je vérifie du côté nord. J'ai besoin de toi au sud. Vérifie les répulseurs soniques. Ces trucs sont censés repousser les bestioles. Sauf qu'en ce moment, ils les attirent. Tu dois arranger ça. Yeah.
Tous les répulseurs sont réparés. Fini les loups vipères. Génial. L'officier Midori a dit qu'elle voulait te voir. Bon, écoute, j'ai dit à Falco que tu m'avais aidé avec le scan. Je voulais pas te voler la vedette. J'apprécie. Pas de problème. Il m'a dit de surveiller le ciel. Il va envoyer un dragon pour activer le scan. Ouvre l'œil, hein. Ce signal, je vais continuer à le suivre d'ici. Bien joué pour la clôture. Il est temps pour toi d'intégrer ton avatar. D'accord. Pour la clôture, j'ai rien dit à Dalton, mais quand j'ai réparé les répulseurs, j'ai bien vu que quelqu'un avait inversé les fils. Tu crois que c'est notre taupe? Je ne vois que lui. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est une sacrée pagaille. Tu ne sais pas à quel point. Les navis découvrent l'hospitalité humaine, mais, surprise, ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils voient. Cet endroit est une poudrière prête à exploser. Mais c'est une autre histoire. Il est temps pour toi d'activer ton avatar.